Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'horoscope 2023 pour le signe du Scorpion. Donc j'ai parlé des trois décans. Alors le premier décan sont les natifs nés du 24 octobre au 3 novembre, donc en moyenne, hein, ça peut être un jour avant ou un jour après selon les années. Le deuxième décan sont les natifs nés du 3 novembre au 13 novembre. Et les natifs du troisième décan sont les personnes nées entre le 13 novembre et le 22 novembre. Donc je rappelle que c'est un horoscope solaire, donc horoscope général, hein, il ne remplace pas un horoscope personnalisé où il faudra votre date, heure et lieu de naissance pour avoir un thème plus précis, plus personnalisé. Car là, ça reste très général, on prend que la position du soleil en fonction des positions du ciel actuel pour 2023. Alors les premiers décans Scorpion, alors vous aurez un début d'année donc plus ou moins bon. Alors c'est vrai qu'il y a des bons aspects et des moins bons. Donc on va commencer donc dès le 1er janvier au 20 février, vous aurez le soleil, votre soleil quinconce à Jupiter en bélier. Donc là ça donne, si vous voulez, une petite dichotomie pour trouver un certain épanouissement. Donc il y a on peut s'épanouir dans les actions qu'on veut faire, mais ça peut amener des légères difficultés pour se sentir pleinement confiant et enthousiaste dans nos actions. Donc il peut y avoir une période un peu de légère difficulté, on va dire, pour trouver sa pleine intégration dans les domaines auxquels on veut s'épanouir. Alors ça peut être soit professionnel, soit affectif, relationnel ou autre. Donc il peut y avoir de l'épanouissement, un léger excès dans certaines choses qu'on veut mettre en place. Mais voilà, il peut y avoir une difficulté à se situer, si vous voulez. En revanche, vous aurez le beau trigone de Saturne en poisson à partir du 7 mars 2023. Donc là, en revanche, ça vous donne quand même une bonne structure, du sérieux, voilà, des opportunités à saisir pour établir des choses concrètes, hein. Donc vous pouvez vraiment avoir des projets stables, comment dire, constructifs. Donc vous pouvez aussi et éventuellement vous sentir beaucoup plus sérieux, alors peut-être dans une relation, en amour, voilà, après il faut voir votre thème, selon votre thème personnalisé, hein, comme je dis. Donc voilà, c'est très général. Ensuite, il y aura, alors malheureusement, le carré à Pluton en Verseau du 23 mars au 11 juin. Donc on va dire, vous commencez à peu près bien, on va dire, le mois de mars, mais fin mars, ça va commencer carré à Pluton, donc c'est votre planète, hein. Pluton, c'est la planète du Scorpion. Donc là, vous allez quand même, je pense, ressentir de forts bouleversements dans votre vie, enfin de forts changements assez compliqués, assez difficiles. Alors ça peut être sur le plan affectif, relationnel, amical, dans vos projets, peut-être en Verseau, mais ça peut concerner éventuellement la profession, voilà, l'argent, la famille. Alors après, ça, forcément, il faut voir dans quelle maison cela va tomber dans votre thème. Mais attention quand même, parce que là, il y a quand même une phase un peu de. Alors pas d'autodestruction, parce que ça peut être un peu fort. Alors oui, dans le pire des cas, mais vraiment des profondes remises en question. Voire on peut déprimer, se sentir pas bien, ça peut déclencher, voire des maladies, au pire des cas, si on est trop dans une période, voilà, de troubles très profondes. Alors ça dépend du thème de chacun et de la vie de chacun, forcément. Mais attention, parce que ce carré-là, il ne va pas trop vous aider. Donc forcément, c'est un aspect qui est assez fort hein, de ce mois de mars à juin là. Après, il va commencer à revenir en Capricorne, donc ça va peut-être un peu se calmer, mais il va revenir forcément fin d'année, début d'année prochaine. Donc forcément, vous n'êtes pas trop aidé durant, on va dire, ces 2 années là minimum, hein, parce que ça peut continuer. Pluton est tellement lent à bouger, c'est la planète la plus lente du zodiaque, donc forcément, cette influence planétaire risque d'être assez longue dans la durée. Alors bon, après il faut voir votre thème natal, hein, s'il est quand même soutenu par de bons aspects, ça peut limiter la casse. Mais attention quand même, parce qu'il faudra que vous prépariez quand même des grands changements là, assez compliqués. Donc j'espère que vous vivrez pas un enfer dans votre vie quotidienne. Hein. On sait qu'avec tout ce qui se passe, c'est pas forcément évident, mais voilà, ça peut jouer, ça peut avoir un lien, sinon. Essayez de rester le plus positif possible, et sachez que tout passe et que la vie est faite que de cycles. Donc, à un moment, je pense que vous êtes assez conscient de ça. Et donc, voilà, faut cultiver une certaine patience. Alors, des fois, on est obligé de passer par des choses quand même difficiles dans la vie, mais ça peut être une période. Alors, après, je l'affirme pas à 100%, hein, selon votre thème, hein,
Mais c'est quand même un indice assez compliqué. Ensuite, vous aurez l'opposition à Jupiter en taureau du 17 mai au 5 juillet et du 17 novembre au 31 décembre. Alors là encore, ça ne vous aide pas trop. Alors Jupiter, c'est plutôt le grand bénéfique, donc on va dire que ce n'est pas forcément plus grave que Pluton. Hein. Tout autant que, voilà, attention quand même aux excès, aux grandes dépenses. Alors peut-être dans le domaine matériel financier en taureau. Donc mesurez vos dépenses. Alors ça peut être aussi pour les plaisirs de la vie. Que ce soit alimentaire, sexuel ou autre. Voilà, donc il peut y avoir quand même des choses où vous pouvez sortir trop en confiance en fait et agir avec trop d'opportunisme, enfin trop d'enthousiasme. Mais attention de bien mesurer comment dire les conséquences de tout ça si c'est pas trop au-delà de vos moyens par exemple. Donc mesurez aussi votre orgueil éventuellement votre vanité, enfin d'être trop suffisant, faire attention à cette période-là, ça peut un peu se retourner contre soi. Voilà. Ensuite, il y aura les aspects à Mars. Alors, le quinconce à Mars en Gémeaux, encore une fois, ça ne vous aide pas trop du 1er janvier au 31 janvier, dans le sens que c'est un début d'année. Alors, en même temps, avec le quinconce Jupiter, hein, Mars le maîtrise en plus, où vous devez mettre en place donc forcément des actions, des idées. Hein, vous avez des idées pratiques à mettre, on va dire, en œuvre, en action, mais ça peut poser quand même certains dilemmes, certains légers conflits, enfin, certaines choses à régler, alors pas trop graves, mais voilà, des petites choses à régler, à peaufiner pour pouvoir mettre en place les choses. Ça, c'est pas fluide, hein. On peut pas faire comme on veut, on va dire. C'est pas efficace à 100%, mais voilà, ça va se mettre au fur et à mesure en place. Surtout qu'après, vous aurez le trigone à Mars en Cancer du 26 mars au 14 avril. Donc là, en revanche, plutôt positif, hein, pour agir, là, pour faire des choses, là, à ce moment-là, peut-être un peu plus efficace. Donc vous réagirez beaucoup peut-être par rapport à votre émotionnel, mais d'une manière positive. Alors ça peut aussi aider dans le domaine familial, du foyer. Il y aura des bonnes choses qui se mettent en place à ce moment-là. En revanche, ensuite, vous aurez le carré de Mars en Lion du 21 mai au 7 juin. Donc là, attention une nouvelle fois aux tensions. Alors là, ça peut être de l'agressivité, ça peut être trop véhément, trop imposer ses idées, trop agir avec le cœur, ou alors on peut toucher l'ego, son ego ou l'ego de l'autre. Donc si votre ego est touché, vous pouvez réagir en piquant, hein, en étant assez vindicatif. Mais Mars en Lion, voilà, vous voulez peut-être imposer plus vos idées, être plus vous mettre en avant, avoir à cœur à agir, mais ou imposer certaines choses, mais qui peuvent poser problème. Donc ça risque, par exemple, je sais pas, moi, ça peut être dans le domaine affectif, il peut y avoir des conflits amoureux. Alors attention de ne pas trop imposer sa volonté, ça risque de poser peut-être un peu problème, rapport avec les enfants ou la créativité aussi, par exemple. Et enfin, le carré à la Lune noire en Lion du 9 janvier au 8 avril, encore une fois, ça va vous créer une zone d'ombre, quelque chose d'assez torturé, un peu qui va vous amener un peu des idées noires au niveau de votre personnalité. On va dire, ça va assombrir un peu votre ego. Vous pouvez avoir une dette karmique, comme on dit, hein, une zone d'ombre, un manque au niveau de vos valeurs, une reconnaissance sociale qui n'est pas là, ou un besoin d'amour ou d'amour propre aussi, et ça peut créer des blessures, des manques, donc peut-être un rapport avec l'amour, les enfants, la créativité qui peut poser problème là, qui a besoin de trouver une sublimation. Alors ça peut être compensé par diverses pratiques, hein, artistiques, intellectuelles, voilà, méditation, voilà, on peut. C'est un moment aussi pour revoir des choses en soi, combler un manque. Voilà, donc ça faut servir d'un aspect qui n'est pas toujours simple pour en faire une force. Alors c'est pas toujours évident. Hein, des fois on est obligé de passer par des épreuves. Hein. Si par exemple si on tombe dans votre maison 10, peut-être qu'il y a là il peut y avoir comment dire, une dette, un manque au niveau professionnel. Donc peut-être une mise au placard ou que sais-je, une valorisation de votre travail. Donc ça peut forcément jouer sur un peu le moral. Donc après voilà, faut voir dans quelle maison ça va tomber. Mais c'est voilà, après c'est passager, à partir du 8 avril, ça se dégagera. Donc voilà pour les premiers décans du signe du Scorpion. Donc ensuite, les natifs second décan du signe des Scorpions. Donc vous aurez toute l'année, donc encore l'opposition de votre soleil à Uranus en taureau, hein, qui est déjà en cours, on va dire, actuellement. Donc là, vous êtes donc encore dans une phase où vous avez besoin de vous démarquer, de vous détacher de certaines contraintes. Donc ça peut faire de la réactivité assez forte. Vous pouvez vous sentir un peu, comment dire, réactif, rebelle. Donc vous voulez peut-être vous affranchir de certaines choses qui vous contraint.
Donc vous recherchez une certaine liberté. Donc attention aux réactions, parce que là on peut couper court à toute relation, ou dans certains domaines ça peut être des ruptures, que ce soit, alors ça soit dans le domaine affectif, professionnel, relationnel, ça peut être financier, enfin voilà, il faut voir dans quel aspect cette planète tombe, mais voilà, il y a une tension où vous pouvez réagir assez, assez comment dire, imprévisible. Donc voilà, vous voulez démarquer, être un peu excentrique, original, donc beaucoup de. Il y a un peu de tension, vous voulez vraiment vous démarquer, et ça peut un peu perturber peut-être soit voilà les collaborateurs ou autres relations. Donc essayez de mesurer. Alors c'est pas toujours évident, je conçois, hein, les énergies sont là, on peut pas toujours se contrôler dans tout, mais c'est bien d'en être conscient. Alors ensuite, vous aurez le quinconce à Jupiter en Bélier du 21 février au 5 avril. Alors donc là, comme le premier décan, vous aurez peut-être difficulté à trouver un certain épanouissement, un enthousiasme dans vos actions, dans ce que vous voulez réaliser. Peut-être qu'il y a des opportunités à saisir, mais qui ne sont pas toujours évidents à atteindre. Donc il peut y avoir une petite difficulté pour sentir pleinement intégré, pouvoir faire ce qui nous plaît. Donc attention d'être un petit peu pas trop suffisant et vaniteux aussi, d'être un peu trop confiant dans ce qu'on fait. Il peut y avoir des légers contretemps, légères choses qui ne sont pas comme vous le souhaitez. Donc il peut y avoir voilà, un peu trop d'enthousiasme à ce moment-là, mais c'est léger. Ensuite, il y a l'opposition à Jupiter en Taureau. Donc là, en revanche, c'est beaucoup plus fort, du 6 juillet au 7 novembre, donc la deuxième partie de l'année. Là, vous sentirez vraiment confiance, mais un peu trop, vraiment trop. Trop d'opportunités, trop d'excès de confiance en soi, d'enthousiasme. Alors c'est pas forcément mauvais en soi, mais ce qu'il y a, c'est que ça peut créer par exemple des trop fortes dépenses, de trop forts domaines de vie auxquels peut-être on investit beaucoup d'énergie, et c'est vrai qu'après, bah, c'était pas comme on l'espérait, donc on peut être un peu, alors pas déçu, mais on en fait trop par rapport à ce que voilà, ce que la réalité. Donc ça peut être des fortes dépenses en taureau, matériel, financier, mais ça peut être soit être trop vaniteux, trop comment dire orgueilleux. Donc vous pouvez trop être là, m'as-tu vu, et ça peut un peu peut-être agacer certains, par exemple. Hein. Donc ça va voir dans quel domaine ça tombe, hein, si c'est affectif, professionnel, familial, voilà, dans vos projets, vos amitiés, etc. Ensuite, vous aurez les aspects à Mars, donc le quinconce notamment de Mars en Gémeaux du 31 janvier au 4 mars. Donc là, encore une fois, ça peut donner des légères difficultés pour comment dire, agir, mettre en pratique vos idées. Donc, enfin, vous pouvez agir dans ce que vous voulez faire, mais mettre en pratique vos idées, il peut y avoir des petites difficultés à mettre en place. Pas toujours évident. Alors, pour diverses raisons, hein, j'ai pas forcément les raisons en tête, malheureusement, parce que là, c'est que général. Mais si par exemple ça tombe dans votre maison 5, il peut y avoir des problèmes pour par exemple, je sais pas moi, agir pour les enfants, pour les éduquer, pour mettre en pratique certaines choses où ça peut donner une légère difficulté. Alors c'est pas méchant, c'est léger, ça demande un petit peu d'effort, mais voilà, c'est faisable à surmonter. Si ça tombe, je sais pas, en maison 2, donc c'est votre domaine matériel, vous pouvez avoir du mal à agir pour vos dépenses. Il peut y avoir des dépenses qui se font malencontreuses ou un peu précipitées, qui peut mal être établies, mal être pensées. Donc attention de bien évaluer la situation, par exemple. Ensuite, vous aurez en revanche un trigone à Mars en Cancer du 15 avril au 3 mai. Donc là, c'est vraiment plutôt positif. Donc là, vous agirez dans le bon sens. Les énergies sont fluides. Tout va, voilà, tout coule de source. Vous agissez en fonction de vos ressentis. Donc ça peut être dans le domaine familial, le foyer, notamment en Cancer, mais pas que. Donc là, vous pouvez vraiment vous avoir une bonne énergie pour imposer certaines choses dans la famille ou dans votre foyer. Donc là, c'est bien vécu. Vous avez des bonnes idées, des bonnes choses à mettre à agir, à mettre en place. Donc profitez de cette période pour faire ce que vous avez envie de faire. Hein. Ensuite, en revanche, le carré à Mars en Lion du 7 juin au 24 juin, là, va vous donner plutôt, attention, une tension nerveuse, physique. Donc vous pouvez vous sentir assez, comment dire, irascible, rugissant, plus piquant qu'à l'accoutumée. Donc peut-être faire attention de ne pas trop imposer sa volonté, ses idées, comment dire, tout ce qui nous tient à cœur. Ça peut être mal perçu parce que voilà, il peut y avoir des conflits d'ego, par exemple, éventuellement avec d'autres personnes.
Donc ça risque d'aboutir à des disputes éventuellement ou des, voilà, des conflits. Donc il faut faire attention à son énergie, là, de pas trop s'emballer. Ensuite, le quinconce à Chiron en bélier toute l'année va vous aider à guérir certaines choses de votre âme, hein, vos blessures d'âme. Donc ça peut être bien pour voilà, de penser certaines pratiques qui peut-être vous aider sur le plan peut-être spirituel, mais pas que, ça peut être dans divers domaines. Alors selon votre vie, alors là ça reste très très général, mais il y a un processus qui permet de, en fonction de ce que vous faites, éventuellement de vous amener des réparations, on va dire, comment dire, au niveau psychique, psychologique, des blessures d'ego, mais ce sera pas toujours facile à mettre en place, hein, parce que avec ces planètes en bélier, on voit qu'il y a eu des en début d'année le quinconce de Jupiter et de Mars, donc qui maîtrise, hein, aussi en bélier, donc ça peut créer quand même des légères difficultés pour arriver à mettre tout ça en place. Voilà. Et enfin, le carré à la Lune noire en Lion du 8 avril au 7 juillet ne vous aide pas non plus, malheureusement, à vous sentir pleinement reconnu. Il peut y avoir une dette karmique, une zone d'ombre concernant votre ego, votre amour-propre, vos valeurs. C'est un problème au niveau affectif, un amour qui est mal vécu. Donc il peut y avoir une zone d'ombre à ce niveau-là. On n'est pas reconnu dans sa créativité, dans tout ce qu'on veut faire, sa volonté de briller. Donc ça peut malheureusement peut-être vous créer un peu de doute et d'inconfort, une période un peu de, voilà, on va dire, un peu de vraiment un peu sombre. Mais voilà, c'est passager, rassurez-vous, tout passe. Et enfin, donc les troisièmes décans, donc pour le signe du Scorpion, donc vous aurez en début d'année un beau soleil sextile à votre Pluton Capricorne du 1er janvier au 22 mars. Donc là, c'est vraiment positif pour certaines remises en question, certaines choses à revoir, hein. Donc il peut y avoir vraiment des changements positifs qui doivent se peaufiner, hein, terminer un cycle. Donc peut-être voilà, encore des bonnes choses à revoir, ça peut être dans le domaine professionnel, affectif ou autre, hein, selon votre thème. Alors malheureusement, en même temps, il y a un carré à Saturne en Verseau qui va commencer en même temps, donc du 1er janvier au 6 mars. Donc ça crée quand même une dichotomie pour, malgré ces remises en question qui peuvent avoir lieu, il y a quand même des blocages quand même en ce début d'année qui vont se révéler. Alors attention, certaines frustrations, certains retards, certaines choses qui ne peuvent pas se mettre forcément tout de suite en place. Donc, évaluez bien les choses, parce que pendant ce premier trimestre, vous risquez d'être face à des murs, à des blocages, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Alors, ça peut être soit dans des projets, des rapports avec des amis, peut-être, ou un rapport avec le travail, l'amour, selon votre thème. Donc, soyez patient, il faut attendre que cet aspect se débloque à partir du 6 mars. Alors, malheureusement, il reviendra en fin d'année, début d'année prochaine. Donc, attendez-vous à ce que ça revienne à nouveau. Donc, c'est peut-être une ou deux années, voilà, un peu légèrement difficile encore à passer. Mais voilà, vous êtes quand même soutenu par des bons aspects. Alors notamment le trigone à Neptune en poisson aussi, vous avez toute l'année. Donc en toile de fond, vous avez quand même une bonne intuition. Ça, servez-vous-en. Vous pouvez vraiment vous sentir voilà, beaucoup plus sur les rails, dans la même, le même, comment on appelle ça, le même feeling, sur la même longueur d'onde, par exemple, que sur un partenaire en amour ou peut-être dans d'autres domaines de vie, hein, voir le flair, si ça tombe dans votre maison 8 au niveau financier, voilà, dans tout ce qui est en rapport avec l'occulte, les choses un peu secrètes qui peuvent peut-être vous aider. Alors voilà, c'est très général, mais en tout cas, très forte intuition est vraiment utilisée. Ça va vraiment vous aider. Le quinconce à Jupiter, ensuite en bélier, du 5 avril au 16 mai, va vous donner, donc comme pour les deux autres décans, une petite dichotomie, une petite difficulté à sentir un épanouissement vraiment intégral, hein. Vous avez du mal peut-être à vous conformer à certaines normes sociales. Il peut y avoir des actions qui vous pose problème. Alors on est un peu trop, peut-être parfois un peu trop enthousiaste, trop orgueilleux ou vaniteux, trop confiant dans ce qu'on veut faire, dans nos actions, et ça peut créer parfois des petites difficultés à surmonter. Donc c'est pas méchant, hein, c'est léger, donc vous pouvez facilement les surmonter, mais voilà, ne pas être trop confiant parfois, ne pas agir en conséquence, et bien mesurer l'action de ce qu'on veut faire.
Ensuite, vous aurez l'opposition de Uranus en taureau du 29 mai au 10 décembre. Donc là encore, une fois, attention aux réactions, à la rébellion, à ne pas être trop réactif, imprévisible dans certains domaines. On peut vouloir se démarquer, se sentir un peu non conformiste, vouloir un peu être en dehors de la masse, pas être comme tout le monde. Et là, on peut vouloir peut-être réagir manière assez vindicative, assez réactionnelle dans pas mal de choses. Ça peut être au niveau relationnel, donc attention aux ruptures, attention à vouloir de pas trop comment dire, contester par exemple une hiérarchie, un ordre, ou parce que ça peut se retourner éventuellement contre soi, donc pas être trop en rébellion en fait. Mesurez vos réactions, ça peut vous aider. Donc attention, ça peut jouer aussi au niveau du couple éventuellement, il faut voir après dans quel domaine ça peut tomber dans votre thème forcément. Le quinconce à Mars en Gémeaux du 4 mars au 25 mars, ensuite va créer une petite difficulté à agir et mettre en pratique vos idées. Donc vous serez peut-être à droite à gauche, peut-être pas mal d'énergie à dépenser à ce moment-là, des choses à faire, mais pas toujours évident de tout mettre à profit comme vous le souhaitez. Donc revoir certaines choses peut-être éventuellement, mais ça sera assez facile, hein, il n'y aura pas trop de difficultés, on va dire. Et le trigone à Mars en Cancer du 3 mai au 20 mai va vraiment vous aider là au niveau de vos agissements. Vous pouvez agir avec comment dire, avec intuition aussi, avec beaucoup d'émotions dans ce que vous ressentez, et ça sera vraiment positif. Alors ça peut être pour la famille, le foyer, hein, en Cancer, mais c'est pas que. Selon votre thème, ça peut être dans d'autres domaines où vous agissez avec beaucoup de feeling, même si c'est pas une action franche et directe. Voilà, vous savez réagir comme il le faudra, et ce sera une bonne énergie à ce moment-là, mettre à profit pour tel ou tel domaine. En revanche, le carat Mars en Lion du 24 juin au 10 juillet va vous créer un peu de tension nerveuse, vous allez vouloir un peu sortir les griffes. Alors attention aux confrontations, aux disputes, à certains conflits qui peuvent avoir lieu, hein, on est plus rugissant, là, plus piquant. Il y aura des conflits d'ego, on voudra agir avec le cœur, avec volonté, donc plein de choses qu'on veut établir, mais ça ne sera pas toujours évident. Il peut y avoir de fortes résistances ou de rivalités en face. Donc attention à ne pas trop être rentré dedans, être plus malin, essayer de pas, voilà, tomber dans une agressivité mordante et de ne pas tomber dans les conflits, quoi. Alors Soleil, Trigone, Lune noire en Cancer du 1er juillet au 8 janvier, donc en début d'année, vous aurez un petit passage là assez sympathique, on va dire, pour tout ce qui est nostalgie, par rapport peut-être à des choses du passé. Ça peut combler un manque, une zone d'ombre par rapport à la famille, le foyer, ça peut être remémorer des bonnes choses de la vie passée, être en famille, voilà, il peut y avoir des choses qui vous rappellent des bons moments. Donc ça peut être une période assez sympathique sur le plan émotionnel. Alors en revanche, le carré à la Lune noire en Lion du 8 avril au 7 juillet, là en revanche, ça va vous donner une zone d'ombre par rapport à votre ego. Peut-être il y a une période de doute, un peu d'obscurcissement, un peu de ténèbres là dans votre cœur, dans vos idées. Vous pouvez vous sentir un peu pas valorisé. Il peut y avoir un problème au niveau affectif avec un enfant ou une créativité, donc à suivre de près. Ça peut peut-être jouer sur votre morale, pas voir trop la vie en noir. Hein. C'est un passage un peu avide, mais voilà, peut-être une passage un peu de déprime, mais qui peut revenir après, donc ça ira, hein, ça passera. Donc attention aussi à l'autorité, un chef, voilà, choses comme ça, ou une dette karmique aussi, un mari, etc. Et enfin, le quinconce de votre soleil à Eris en Bélier toute l'année, alors peut donner une petite dichotomie dans trouver une harmonie dans la complétude avec l'intégration avec le plus grand nombre, d'être dans une réunification et non une division entre les êtres. Donc il peut y avoir un partage des deux, on peut se sentir un peu tiraillé entre le besoin de se démarquer, de peut-être diviser certaines relations et en même temps trouver un juste milieu pour agir en ce sens pour le plus grand nombre et réunifier le plus grand nombre. Alors je sais, c'est particulier, mais bon, ça c'est plutôt un aspect, on va dire, mondial. Donc voilà. Bon, après, ça à voir, hein. Ça c'est vraiment particulier. Donc voilà, j'ai terminé pour l'horoscope 2023 pour le signe du Scorpion. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me consulter donc tout le descriptif et à la fin de la vidéo et sous la vidéo, hein, si vous voulez votre horoscope personnalisé pour 2023. Et voilà, et donc, bah, quant à moi, je vous dis portez-vous bien,
Et puis je vous dis à la prochaine vidéo pour le signe du Sagittaire. Au revoir.